Ils ramènent donc la Coupe de France au port, 10 ans après leur dernière victoire. Les footballeurs de la Jeanne d'Arc ont accompli leur mission première, envers et contre tout. On a prouvé qu'on n'a peut-être pas le même effectif que la Saint-Pyroise, mais on a montré que sur un match, on peut rivaliser et qu'on n'était pas là par hasard. Effectivement, une seule occasion aura suffi. Un coup franc de Médéric Luiz converti en but de la victoire par Dina. Le peuple mauve explose de bonheur. La Jeanne d'Arc vient de saisir sa chance. Saint-Pierre est déjà gagné la Coupe de la Réunion. Nous, rester cette Coupe pour justement la gagner. On l'a fait de belle manière. On a, avec le public qu'il y avait, il fallait pas rater le coup. Presque le coup parfait face à des Saint-Pyrois, certes plus dominateurs, mais complètement inefficaces dans la zone de vérité. Saint-Pierre passe encore son tour. Okay, on a pris le but après les deuxièmes mi-temps et on baisse la tête trop vite. C'est ça qu'on voit, que des bonhommes, on essaye et ça ne marche pas. Donc voilà, félicitations aux Jeanne d'Arc. Mais ils ont peut-être mérité, ils sont courageux. Plus courageux les Portois, plus volontaires et solidaires aussi. À coup sûr, les clés d'un succès qui ravive la flamme mauve éteinte depuis trop longtemps. Ça s'est joué au mental. On était costaud jusqu'à la fin du premier, jusqu'à la 80e minute. Maintenant, on va préparer le 7e tour. Comme tout le monde l'attend, on va travailler. C'est une belle victoire. Hein. Ça a été dur, mais on l'a fait. Alors on le mérite. Les gars avaient plein sur le cœur pour aller chercher cette victoire. Mais c'est pas terminé, c'est pas terminé. Il y a encore le championnat. On va s'arracher jusqu'au bout. Cette victoire-là, c'est l'aboutissement d'un travail sur de longues années. Il est vrai que Jean-Marc la prend les rênes cette année. Jean-Marc fait un grand travail. Ne vise pas le triplé, nous. Juste ce trophée Coupe de France, l'objectif affiché dès le départ par la Jeanne d'Arc. Objectif réussi.